Je savais ce qui s'était passé, mais je voulais pas y croire. Aujourd'hui, j'ai du retard sur ma mère. Je pense que j'ai besoin de voir encore une fois son corps. Daniel, c'est ça? Ça fait plusieurs semaines que vous venez écouter. Vous savez, ça vous ferait sans doute du bien de parler un peu, de nous raconter votre histoire. Ici, tout le monde a vécu la même chose que vous. On est pareil. Ça ne veut pas sortir pour le moment. J'arrive pas. Peut-être la prochaine fois. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Daniel. On vous a pas vu au groupe de parole depuis 2 ou 3 semaines et on était inquiets, on voulait savoir comment vous alliez. N'hésitez pas à me rappeler dès que vous avez ce message. Papa ? C'est Léa. J'aurais préféré te dire ça en direct, mais j'ai pas beaucoup de temps pour parler. Je suis retenue au camp kurde d'Aol, en Syrie. Mon mari est mort au combat, je peux rentrer en France. Je sais comment m'enfuir, mais il me faut de l'argent. 5000 euros pour payer un garde. Papa, je dois raccrocher, mais je te promets que je te rappellerai le plus vite possible. Écoutez, monsieur Brochand, l'État français ne fait plus revenir que les enfants. La demande de votre fille n'est peut-être qu'un mensonge de sa part, de ceux qui sont avec elle là-bas. L'État islamique use beaucoup de cette méthode, jouer sur l'empathie de leurs proches pour leur soutirer de l'argent. Ma fille s'appelle Léa. Elle est partie en Syrie, elle avait 16 ans. Je l'ai vu changer, hein. Quand elle est partie, on était complètement sidérés avec ma femme. Léa était à peine partie depuis un an qu'on a décidé de divorcer. On n'arrivait plus à se comprendre. Le matin, quand je me lève, quand je me réveille, je prends comme un coup de poignard qui me rappelle que mon enfant est parti. Dès la première seconde, je me demande si je vais pouvoir finir la journée. J'ai l'impression de la trahir quand je pense à autre chose qu'à elle. Quand on me demande si j'ai un enfant, je sais pas quoi dire. Alors, oui, j'ai un enfant, mais il est parti. Tu peux rentrer en France. Ici, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'aide. Il y a un garde qui peut m'aider, mais pour 5000 euros, il faut absolument l'argent. Je t'en supplie, aide-moi. Mais je fais ce que je peux, j'ai appelé la DGSI déjà, et c'est très difficile. Et ils exigent une contrepartie. Et pourquoi t'as fait ça? Mais pas l'État. Tu veux que j'aille en prison? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut bien qu'on nous aide. Papa, j'ai un enfant. Je suis à URFA pour le moment. C'est très complexe. Vous me demandez de ramener illégalement en France une femme ayant appartenu ou appartenant encore à l'État islamique. Bon, je me rendrai sur le camp et j'évaluerai la situation.